entendre une étudiante ou un étudiant qui veut prendre ce cours-là, c'est un bon 3 heures de travail ensemble en classe le matin. Durant le reste de la journée, un peu de travail autonome, mais aussi du travail collaboratif en ligne, entre autres à travers une structure de blog que je suis en train de monter. Ce blog-là va permettre la collaboration et peut-être même avec la communauté aussi. Pourquoi on le donnerait avec la formule des blogs plutôt que la formule habituelle? Le gros avantage pour nous autres de la formule des blogs, c'est l'idée de faire une chose à la fois. Une chose à la fois pendant 3 semaines, 20 personnes ensemble avec les 4 profs, 24 personnes. On a une formule qui est très intense, qui est très concentrée. On va travailler ensemble sous la forme de ce qu'on appelle une communauté de recherche, ce qu'attendez-vous pas à un cours magistral. On va travailler ensemble autour d'échanges, de débats. Il y a des actions à prendre. C'est autour de ça que ça va se passer. Donc, pas du tout une formule passive, une formule très active. La notion de progrès en soi est juste le mot. C'est un mot qui est archi simple. On entend le mot progrès depuis qu'on est au monde. Sauf que lorsqu'on commence à réfléchir sur le mot progrès, puis ce que ça veut dire le progrès, qu'est-ce que ça implique, on se rend compte que c'est pas mal plus complexe. Par conséquent, le sujet, le progrès lui-même, à mon avis, c'est une occasion extraordinaire pour voir les contributions de plusieurs disciplines qu'on regroupe sous le thème des humanités ou des sciences sociales. Pourquoi le progrès? Bien, le progrès, c'est un peu essayer de s'améliorer, c'est essayer de devenir meilleur. Et dans nos sociétés, c'est pas simple. Et donc, on a décidé qu'on se questionnerait là-dessus.